Bonjour à tous, bienvenue dans le message de l'univers. Un message que je tire d'abord et avant toute chose avec deux cartes de l'oracle, pardon, pas de l'oracle, du tarot de Marseille. Donc on va associer le monde qui est l'univers qui vous entoure, l'univers concret, l'univers pratique, d'accord? On va tirer une deuxième carte et on va les associer. On va associer cette carte du monde avec une deuxième carte de l'oracle de tarot. Et puis, je vous dirai dans différents domaines comment ces deux cartes s'associent. Et bien, donc, ici, on a le monde et le mat. Alors, donc là, on est dans un tirage. D'abord, je vais donc le tirer en associant. Alors, excusez-moi, parce que j'ai essayé de faire une nouvelle disposition pour que vous voyez vraiment beaucoup mieux les cartes. Voilà. Donc, le monde et le mat. Alors, le monde, une carte plutôt positive, plutôt ouverte, et le mat qui est souvent une carte qu'on a du mal à appréhender parce que on pense que c'est le fou, que c'est toujours du négatif. Alors, je voudrais m'attarder 2 secondes sur cette carte du mat. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui se lance en fait dans la vie. C'est quelqu'un qui avance. Vous voyez, il a pris son petit baluchon, donc il a un petit peu quitté tout ce qu'il avait, et il est prêt à se lancer dans le vide. Donc c'est vraiment très très intéressant d'associer donc cette carte du mat qui va dans le monde justement. Alors quand le monde et le mat se rencontre comme ça dans un tirage, eh bien, il s'agit en fait d'un regain pour d'intérêt pour des valeurs classiques. Donc, finalement, cette combinaison, paradoxalement, signifie que vous allez renoncer à un exil volontaire ou à un divorce. En fait, en réalisant que vous allez probablement vous lancer dans l'inconnu, et que vous avez cette observation du monde là qui est devant vous, eh bien au contraire, vous allez arrêter votre pas et vous n'allez pas tout renverser. Vous allez, en fait, au lieu de faire quelque chose sur un coup de tête, vous allez au contraire revenir vers des choses qui vous sont plus classiques, mais qu'est-ce que je veux dire, plus, comment vous formulez ça, plus respectueuse des valeurs habituelles que vous avez. Donc là, ce tirage vous alerte sur le fait que vous étiez prêt à vous lancer, à vous faire violence finalement, et que finalement vous n'allez pas le faire. Alors pourquoi vous n'allez pas faire cela? Parce que c'est intéressant de comprendre pourquoi vous aviez envie de faire quelque chose et finalement vous n'allez pas le faire. Alors d'abord, on va demander ici aux cartes des énergies pour comprendre quelle est l'énergie qui vous anime aujourd'hui. Quelle est l'énergie qui vous anime aujourd'hui? Eh bien, c'est celle de l'appréciation. Voilà, en fait, pourquoi vous n'allez pas tout renverser? Pourquoi vous n'allez pas vous lancer dans le vide? Mais parce que vous allez réussir à comprendre que vous devez apprécier ce que vous avez, que vous devez être dans la gratitude de ce que vous avez déjà, que vous voulez partir alors que, alors partir hein, aussi bien de manière physique que spirituelle, enfin, c'est pas un partir forcément physique, hein, mais que vous vouliez absolument tout changer, tout bazarder, tout, voilà, alors parce que en réalité, vous n'étiez pas suffisamment conscient de tout ce que vous avez et de ce que vous pouvez déjà retirer, tirer, utiliser, exploiter de ce que vous avez déjà autour de vous. Prenez un temps de pause et regardez ce qu'il y a autour de vous, tout ce que vous avez autour de vous. Travaillez justement la gratitude de ce que vous avez et vous allez retrouver de la satisfaction. Vous allez avoir beaucoup moins envie de vous enfuir, parce que vous allez reconsidérer tout ce qui est autour de vous et vous allez comprendre que vous pouvez changer des choses
à partir de ce qui existe déjà. C'est plus facile que en renversant tout, en balançant tout. Donc aujourd'hui, le message de l'univers pour vous, c'est ne bazardez pas tout, mais soyez bien concrètement dans l'appréciation et dans la considération de tout ce que vous avez déjà, parce que vous avez beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Voilà, c'était le tirage d'aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est déjà pas fait et de me poser des questions sans problème. J'adore les questions et je réponds à toutes les questions. À bientôt, au revoir.